Ok, bon, ça va, on avance vite finalement. Alors, donc, ok, point numéro 7. Apprenez à jouer dans tous les styles. Voilà, comme je disais tout à l'heure, hein, je suis un peu prétentieux, tous les styles. Une fois, j'avais envoyé un email en disant, il y a tant de styles que vous aimeriez jouer, et quelqu'un m'a sorti un style que je ne connaissais pas du tout, et c'est un style de chanson africaine. Enfin bon, c'est une chose vraiment, vraiment très, très précis. Alors, tous les styles, bon, voilà, encore une fois, bon, il existe, c'est pas moi qui ai fait la liste, hein, mais je sais qu'il existe 60 millions d'instruments différents dans le monde. On est compte, 60 millions d'instruments différents. Quand je dis instruments différents, ce n'est pas 60 millions d'exemplaires du même instrument. C'est voilà, l'harmonica, c'est un instrument, la flûte, c'est un instrument, le banjo, c'est un instrument, la guitare, c'en est un autre. Il y en a 60 millions comme ça, c'est extraordinaire, quand même. C'est vraiment extrêmement riche. Donc, je ne sais pas s'il y a 60 millions de styles, mais enfin, il y a sans doute des milliers, des milliers, des centaines de milliers de styles de musique. Rien que si vous allez sur Wikipédia, vous voyez tous les styles de musique qui ont été répertoriés, ça fait déjà pas mal. Donc, non, vous n'allez pas apprendre à jouer dans tous les styles, mais enfin, disons, la plupart, quoi, les styles les plus courants. Donc, lesquels? Eh bien, déjà, les chansons françaises de légende, jazz, blues jazz, bossa nova, le blues traditionnel, le blues rock, la musique celtique, la country music, les hymnes nationaux et le ska. Donc, alors, je dis dans tous les styles, pourquoi? Bah, parce que s'il y a des styles qui vous manquent, bah, faut pas hésiter à me le dire. Et puis, bah, moi, soit j'ai effectivement. Ah oui, tiens, j'avais ça, tiens, j'ai pas pensé à vous le. À vous le proposer, mais moi, pourquoi pas ça? Et puis, peut-être qu'il y a des styles que je vais découvrir, pourquoi pas, ça peut-être m'intéresser, peut-être que je vais acheter aussi des recueils. Enfin, voilà. Donc, l'idée, c'est que c'est plutôt que de vous imposer des morceaux, c'est de vous proposer des morceaux dans les styles que vous aimez. Alors, le principe, c'est quoi? Le principe, c'est que quand il y a un morceau vraiment qui vous plaît, eh bien, je fais ce que j'appelle une vidéo du samedi midi. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, la vidéo du samedi midi, c'est quoi? Eh bien, quand vous allez sur la chaîne YouTube de Armo Chopin, voilà. Bonjour. Bonjour. Donc, vous avez un bouton playlist dans le menu et vous avez la vidéo du samedi midi. Vous voyez, déjà 72 vidéos. Et alors, il y a plein, 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 plein de vidéos. Donc, ce que je faisais avant, c'est que bah, je me disais, tiens, ah, j'aimerais bien leur jouer ça. Tiens, ah, j'ai bien envie de vous partager ça. Allez, je fais une vidéo là-dessus. Bon, c'était tout. Et puis maintenant, ce que je fais depuis plusieurs semaines, c'est que je me dis, bah, non seulement vous avez la vidéo, mais vous avez aussi la possibilité de télécharger, d'acquérir un dossier pédagogique. Donc, dossier pédagogique, c'est quoi? C'est un dossier dans lequel vous avez tout ce dont vous avez besoin pour apprendre à jouer le morceau. Ce qui fait que ça vous fait des cours à la carte, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, je mets des vidéos, enfin des morceaux, je joue des morceaux qui vous intéressent, quoi. Par exemple, Quelque chose de Tennessee, qui est une chanson que Michel Berger avait écrite pour Johnny Hallyday. C'est pas une, je me suis pas dit, allez, tiens, mon père aime beaucoup Johnny Hallyday, je vais jouer du Johnny Hallyday. Bon, bah, très bien, tant mieux que ça lui plaise, mais faire la plage, c'est pour vous que je l'ai fait. Et comment j'ai su, pas besoin de ça, comment j'ai su que vous aimiez quelque chose de Tennessee? Bah, parce qu'en fait, vous avez des anciennes images de mes concerts. comment je l'ai su? Bah parce qu'en fait, je vais vous montrer, je vous propose des tableaux. Ah, vous voyez, ça c'est, juste pour la petite anecdote, ça c'est un souvenir de métro, ça. J'ai fait 2 ans de métro parisien. Donc voilà, l'échevelé ici, c'est moi. Il y a Olivier Beau à la guitare et Catherine Sanray au chant. Et on avait formé un groupe qui s'appelle Original Blues Combo, OBC, O comme Olivier, B comme Bertrand, C comme Catherine. Et on jouait dans le métro. C'était très très sympa. Voilà. Donc je disais comment je sais que vous aimez Johnny Hallyday, bah parce que vous allez voir, il y a un tableau dans lequel vous pouvez choisir les morceaux que vous aimez. Et puis bah quand je vois qu'il y a au moins 10 personnes qui ont choisi ce morceau, eh bien je vous fais la vidéo et je vous fais un cours en qui correspond à ce morceau. Donc les compositions, vous les avez dans les formations et les morceaux connus, vous les avez dans les tableaux. Donc, alors, je vais vous montrer les différents liens. Donc, attendez, tac, non, c'est pas ça que je voulais faire. Est-ce qu'on peut cliquer dessus? Ce serait pas mal. Donc, ça s'appelle la vidéo du samedi midi. Donc, par exemple, vous avez, voilà, j'ai du mal à cliquer dessus. Bon, ben, ça marche pas. D'accord. Alors, attendez, tac. Bon, de toute façon, je vous remettrai les liens sous la vidéo, mais si ça avait.
si je pouvais. Voilà, comme ça va aller mieux. Non plus, décidément. Décidément. Alors attendez, peut-être réussir à le faire comme ça. Voilà. Tac. Donc, alors, donc vous avez les chansons françaises de légende, par exemple. Voilà. Donc en fait, vous voyez, vous avez un tableau auquel vous pouvez accéder librement, et en fait, vous mettez un petit V comme voter, par exemple, en face des chansons qui vous plaisent. Donc pour savoir si vous connaissez pas la chanson, bah vous pouvez trouver en fait une démonstration sur YouTube. Il y a tellement de démonstrations de chansons françaises. Et donc, est-ce qu'on avait 2, 3, 4, 5, 10 chansons? Non, vous en avez 2709. Et oui, un tableau extrêmement complet. Et pourquoi j'ai mis ces 2709 chansons? Parce que j'ai toutes les partitions de ces chansons. Donc, par exemple, je vois que, allez, on va prendre à nos actes manqués, il y a déjà 2 personnes qui sont intéressées. Donc, je me dis, peut-être que bientôt, il y aura d'autres personnes qui vont plébisciter à nos actes manqués. Si on va un petit peu plus loin, l'aigle noir, il y a déjà 4 personnes. Aline de Christophe, il y en a déjà 5, vous voyez? Donc, en fait, moi, dès que je vois qu'il y a 10 personnes qui s'intéressent à un morceau, je me dis, ah, tiens, ça vaut vraiment le coup de le faire, ça intéresse du monde. Ah, regardez ça, le blues du businessman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, je vais pouvoir le faire. Super, le blues du businessman, Starmania. Alors, ça ne vous engage à rien du tout. Ce n'est pas parce que vous avez voté pour un morceau que vous êtes obligé d'acquérir le cours. De toute façon, vous voyez, c'est complètement anonyme. Donc, vous avez en fait, vous avez plein de chansons de 1879 jusqu'à 1999. Donc, vous avez l'embarras du choix. Alors, vous n'avez pas les années 2000, mais enfin, il y en a déjà pas mal. Comme d'habitude. Ah, génial. Oui, je l'ai pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Génial, comme d'habitude. My Way, comme d'habitude. Claude François, Jacques Revaux, super. Les copains d'abord. Génial, les copains d'abord. Vous voyez, vous avez plein de chansons françaises. Je vois que vous aimez beaucoup ça. Et on va en reparler tout à l'heure. Ah, quand vous voyez que c'est surligné en vert, ça veut dire que la vidéo est déjà disponible. Vous allez dans la vidéo du samedi midi. Et donc, c'est plus la peine de mettre les petits V ici, puisque voilà, ça, c'est déjà disponible. Donc, plus la peine de voter pour ça. Vous trouverez directement la playlist, la vidéo du samedi midi, et le cours qui correspond. Il suffit de cliquer après. Vous voyez, dans la vidéo, vous avez un i, vous cliquez sur le i, et vous pouvez accéder au cours. Voilà, elle là également. Enfin, il y a pas mal de choix déjà. Donc ça, c'est pour la chanson française. Et puis vous avez aussi. Alors du coup, je vous avais fait d'autres tableaux pour les autres styles. Donc ils sont pas encore complètement pleins. C'est-à-dire que je vais encore en rajouter, mais au moins j'ai déjà créé les tableaux et je vais en mettre d'autres titres au fur et à mesure. Vous avez il y a un petit problème là apparemment. C'est deux fois le même lien. J'ai peut-être une erreur de lien. Ah oui, effectivement, j'ai mis deux fois le même. Désolé. Je vous referai je remettrai le vrai lien alors pour Jazz et Bossa Nova. Blues traditionnel, blues rock. Vous voyez, vous avez déjà quelques titres. Donc, il y a déjà des titres qui ont été choisis. Amiok. Alors, ce que j'ai fait pour les nouveaux tableaux, c'est que j'ai mis aussi le niveau et le recueil. Le recueil, ça vous est complètement égal. C'est juste pour moi, parce que j'ai une telle collection de recueils, comme ça, je sais dans quel recueil je dois piocher. Et par contre, j'ai mis le niveau en face. Donc, le niveau, ça correspond à quoi? Le premier niveau, en fait, c'est qu'il n'y a que des notes naturelles, soufflées, aspirées. Le niveau 2, ça veut dire qu'il y a des altérations aspirées. Le niveau 3, c'est qu'il y a aussi des overblows. Donc, c'est une autre technique d'altération. J'espère que Franck n'est pas complètement perdu. Ça va. Le quatrième niveau, c'est qu'il y a sûrement des altérations soufflées. Donc, c'est encore un autre type d'altération. Le niveau 5, c'est qu'il y a aussi des overdraws. C'est encore un autre type d'altération. Il y a 4 types d'altération. OK? Donc, niveau 1 pour ceux qui débutent l'harmonica, niveau 2 pour ceux qui savent déjà jouer les altérations aspirées, niveau 3 pour ceux qui attaquent les overblows, niveau 4 pour ceux qui savent jouer les altérations soufflées, niveau 5 pour ceux qui savent jouer également les overdraws. Bon, sachant que la plupart des morceaux, c'est quand même du niveau 1, 2 ou 3. OK? Voilà. Et vous avez quoi d'autre? Vous avez aussi la musique celtique. Donc là, j'ai commencé à en mettre plein, mais il n'y aura pas plein d'autres parce que j'ai beaucoup de recueils aussi de musique celtique. Voilà. Et là, donc là, j'ai pas mis le niveau encore, mais je le mettrai. Ah ben, je vois qu'il y a déjà pas mal de choix. Super. Donc vous avez déjà pas mal de. Vous avez déjà 52 choix possibles. Je ne sais pas si c'est Eric qui a tout choisi, parce que je sais qu'Eric aime beaucoup la musique celtique. Bien. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre?
il y a également la country music. Voilà, donc encore aussi un tableau sur la country music. Donc, encore une fois, vous allez retrouver tous les liens sous la vidéo, hein, dans la rediffusion. Voilà, bon, il n'y a pas énormément de choix, mais le tableau est très récent. Donc, Born to Lose, il est déjà disponible. Vous avez alors les hymnes nationaux. Alors, ça, c'est un bouquin que j'ai acheté il y a quelques années. Et alors, bon, je sais bien que c'est pas ce qui. Enfin, c'est rare qu'un élève vienne dans l'école en disant je veux absolument jouer l'hymne du Guatemala, il faut absolument que vous appreniez à jouer ça. Mais pourquoi pas? Et finalement, je me dis, bah, voilà, pourquoi ne pas le faire? Donc, il y a déjà une vidéo qui est disponible, qui est Gde Domo Imuy, qui est. Je parle bien le tchèque, hein, vous voyez un peu. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs en tchèque, mais peu importe. Donc, c'est l'hymne national de la République tchèque. Et comme ça, j'ai plein d'hymnes, donc d'Afrique du Sud, d'Allemagne, d'Argentine, d'Australie, d'Autriche, de Belgique, Brésil, Canada, Chili, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Danemark, Écosse, Équateur, Espagne, Estonie, Finlande, France, et oui, j'ai aussi la France, Ghana, Grèce, Hongrie, Inde, Iran, Irlande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, les Philippines, le Mexique, le Monténégro, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, le Pays de Galles, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République dominicaine, la République tchèque, donc ça c'est déjà en ligne, le Royaume-Uni, donc l'Angleterre, évidemment, la Russie, la Serbie, la Suède, la Suisse, la Thaïlande, la Turquie, l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique. Vous voyez, donc vous avez plein de morceaux possibles. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, je vous apprendrai aussi à jouer ça. Et puis, on va finir par le ska. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le ska. Le ska, c'est l'ancêtre du reggae. Et il y a un groupe que j'adore. J'avais acheté un disque, une compil, va donner, je l'ai ici. Voilà, j'ai acheté ce disque-là qui s'appelle Divine Madness. Voilà, c'est un super groupe de ska avec plein de tubes et souvent en concert ils font ces tubes-là. Et j'ai acheté la partition qui correspond à cette compilation. Et donc voilà, vous avez déjà, il y a déjà West End Beyond et Hours qui ont été choisis. Alors on va mettre un V puisque c'est V en fait normalement qu'il faut mettre plutôt que 1. Voilà, on va centrer tout ça. Et donc voilà. Donc dès qu'il y en a 10, eh ben, pas de problème, je vous fais le cours. Ok ? Voilà. Alors, question d'Alain, la vidéo du samedi midi, il n'y a pas les niveaux, comment faire si les niveaux ne sont pas marqués? Et oui, effectivement, eh ben, vous débrouillez, non, je plaisante. Donc, effectivement, c'est très très bonne suggestion d'Alain. Alors, on en avait déjà parlé, je crois que c'est, c'était pas Eric, c'était qui m'en avait parlé? Je ne sais plus, c'est le nom, je vois bien son visage, mais son prénom m'échappe, je vais peut-être retrouver ça. En tout cas, qui m'avait dit, mais si on n'a pas les niveaux, on fait comment? Effectivement, je me suis dit, il faut absolument que dans le titre, je mette les niveaux. Donc, je vais faire ça, je suis en train de le noter. Donc, je le mettrai pour toutes les prochaines vidéos de samedi midi et aussi pour les anciennes. Donc, vous pouvez voir, il y a déjà certaines vidéos où il y a déjà les niveaux. Donc, mais c'est vrai que je n'ai pas pensé à le mettre pour toutes ces vidéos. Donc, vidéo, voilà, pardon, le playlist. Si je vais dans vidéo, comme il y en a 450, on a du mal à s'y retrouver. Heureusement que les playlists existent. Ah oui, il y a déjà 450 vidéos sur la chaîne YouTube, donc il y a de quoi faire. Voilà, donc là, effectivement, là, je n'ai pas mis les niveaux. Bon, là, il n'y a pas les cours de fait, mais si après, c'est vraiment des morceaux que vous voulez jouer, je peux vous faire les cours qui correspondent. Encore une fois, il faut simplement qu'il y ait du monde. Donc là, effectivement, là, j'avais pas mis les niveaux et j'ai commencé en fait à faire des cours en lien avec les vidéos à partir de Noël 2016. Donc, vous voyez, à partir de 3 ans, ils sont venus. Donc, effectivement, j'ai pas mis le niveau ici. Donc, effectivement, à la fois, je vais le mettre. Il est né le divin enfant, pareil. Blue Christmas également. Christmas Time is here également. Et là, j'ai mis le niveau. Donc, Dieu fumeur de Havane, c'est niveau 1. Quelque chose de Tennessee, niveau 2. La maison près de la fontaine, niveau 3. Le sud, niveau 1. Et Embraceable You, niveau 2. Okay, donc, je vais remettre les niveaux sur les anciennes vidéos et en tout cas sur les chants de Noël déjà. Et puis je continuerai effectivement de mettre les niveaux sur toutes les prochaines vidéos du samedi midi. Très bien. D'autres questions là-dessus ou est-ce qu'on peut passer à la suite? Personne ne veut prendre la parole? Ok. Très bien. On passe à la suite.